Moi, je m'appelle Abdelkader, j'habite au Chandon, j'ai 40 balais. Ouais. Je suis sorti, à vrai dire, je suis sorti de la prison. Je suis rentré directement à l'hosto. Ouais. Je suis rentré à l'hosto, à l'hôpital, pour une sclérose en plaques. J'arrive plus à me mettre debout. Au quotidien, j'arrive plus à être indépendant. Ouais, voilà. Voilà le problème avec la sclérose en plaques. Je la connaissais pas. Ouais. Maintenant je la connais. Il n'y a rien de marrant avec elle. La chaise est là pour me faire rappeler que je ne suis plus indépendant. Que maintenant, je ne serai plus autonome. Il faut que tout le temps, il y a une personne qui traîne dans mon dos. Ouais. Mon docteur m'a dit que je ne marcherai plus. Ça m'a cassé les deux bras. Ça faisait que mon épopée est passée. Moi, je me considère comme un renégat. Un renégat qui a fait beaucoup de fois de la prison. Pour moi, mes plus belles années sont derrière moi. C'est fini, hein. Le rideau est tombé, tout le monde est parti, reste plus personne. Voilà, on est là juste de passage. On ne fait que passer. Voilà, on est comme une visite. À l'hôpital ou en prison. Et moi, je me vois comme le vilain petit canard. Ouais, le vilain petit canard, c'est moi. Ouais. Alors, tant pis, hein. Désormais, j'arrive plus à comprendre cette vie. Mais je sais que la vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut la vie. Je sais qu'on ne vit qu'une fois. Je sais que cette vie sans épreuve ne mériterait pas d'être vécue. Je sais aussi que il ne faut pas s'attacher à cette vie, car elle est périssable. Ouais, ouais, voilà. Mais que serait-elle, dites-le-moi, cette vie, que serait-elle sans épreuve? C'est comme je le dis. Elle ne méritait pas d'être vécue. Ouais, sans épreuve. Faut surmonter. On doit surmonter. Surmonter l'épreuve. Ouais. Il n'y a personne que je peux me mettre à combattre. À révolter contre. Bah ouais, il n'y a personne, il n'y a que moi, je suis en face de moi. Ouais. Je sais qu'à La Réunion, on a une manie. Quelle est cette manie? Et on a la manie de mettre des cachetons. Vous voyez, le genre, on se prend pour des bolos. Ça veut dire des toxicomanes. On met des cachetons, Arctane, Ribotril, Rétinol, Ecstasy. Faut arrêter. Faut arrêter ça. Ouais, je sais que les jeunes à La Réunion, ils aiment ça. Ouais, Zama, le alcool, tout le bordel qui va avec. Ouais, il faut. Il faut arrêter avec toutes ces merdes-là. Ouais, parce que c'est de la merde, monsieur, excusez-moi. Parce que on creuse notre tombe par soi-même. Et on peut violenter n'importe qui. Pour avoir des sous, pour en avoir.
C'est pas des choses à faire. Ah ouais.